everybody, it is your boy Mr. B once again, and I'm back again with another interesting episode. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Mr. B. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super, super bien. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur la chaîne Mr. B parce que c'est ensemble que nous allons découvrir l'entièreté et la beauté de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Eh bien, les gars, si vous vous rappelez, suite à ma dernière vidéo sur la chronique d'Abidjan, le cas intérieur, il y a des personnes qui ont laissé des commentaires négatifs, comme quoi nous allons attendre la saison pluvieuse pour voir à quoi ressemble véritablement la chronique d'Abidjan. Mais avant de continuer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer aussi la cloche de notification. Comme ça, quand on va publier une nouvelle vidéo, et vous allez recevoir la notification comme quoi il y a une nouvelle vidéo et directement vous allez vous abonner. Maintenant, des personnes qui ont laissé des commentaires comme quoi on va attendre la saison pluvieuse pour voir la chronique d'Abidjan. Est-ce que ça a été réellement travaillé? Eh bien, mes amis, nous sommes en saison pluvieuse. Nous venons de finir le mois de mai, dans le mois dans lequel il a plu abondamment. Et nous sommes actuellement en juin, qui est aussi un mois de pluie. Mais bien, regardez les images de la chronique d'Abidjan. Vous allez constater qu'il n'y a même pas une seule flaque d'eau. Malgré la saison de pluie, il n'y a même pas une flaque d'eau. Donc, pour dire que la corniche, ceux qui ont travaillé à la corniche, qui continuent de travailler à la corniche, ne sont pas des gens qui ont travaillé à la légère. La corniche d'Abidjan, le carrefour indigné, a été sérieusement travaillé. Et on va le voir suite à cette image. Suite à cette image, nous allons découvrir les autres images pour voir que la corniche d'Abidjan, c'est véritablement, n'est-ce pas, un chef-d'œuvre, un ouvrage, n'est-ce pas, à féliciter. Et aussi à féliciter ces personnes qui ont travaillé ici à Yam. Mr. B, sans plus tarder, ne décrochez surtout pas, restez penché. Vous allez voir la corniche d'Abidjan en saison de pluie. I am Mr. B, let's go. Il n'y a même pas une flaque d'eau. Regardez bien. Il n'y a même pas de flaque d'eau ici. Malgré que c'est la saison de pluie, il n'y a pas de flaque d'eau. Regardez, et les travaux continuent, hein. C'est pas parce qu'on va dire que c'est, comment on appelle, c'est la saison des pluies qu'on va arrêter les travaux. On dit que si la saison des pluies est terminée, on va reprendre les travaux. Ce n'est pas le cas. Ici, même s'il pleut des neiges, si la neige tombe ici, les travaux continuent. Mais actuellement, les travaux de bitumage sont terminés, comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo. Mais actuellement, ce sont les fleurs que les gens sont en train de planter. Je vais aller encore plus devant. Vous allez voir que les gens sont en train de planter des fleurs. Je vais me rapprocher. Vous allez voir avec moi. Mais sachez qu'il n'y a même pas de flaque d'eau ici, malgré la saison pluvieuse. I am Mr. B. Thank you.
Sometimes you'll be scared, cause you were down and so weak. I'm like a spring when I fall, I'll be long gone. My dreams will be like a song, both the dreams are so high. When you start your journey of life, you gotta bounce up. I'm like an ocean, never dry, always gotta fill up. Never scared of life, cause I only got one chance to live. Rise up and straight up, fight hard and chill hard. Just stop and then move on, cause one day I'll be long gone. My dreams will be like a song, hope and dreams are so high. When you start the journeys of life, hoping that everything will be okay. When it's all said and done, action surely takes the place. Time to heal and time to see, time to feel and time to breathe. Cause I know definitely I will surely rise now. I'm like an ocean, never dry, always gotta fill up. Never scared of life, cause I only got one chance to live. Rise up and straight up, fight hard and chill hard. Just stop and then move on, cause one day I'll be long gone. My dreams will be like a song, both my dreams are so high. When you start the journeys of life, hoping that everything will be okay. When it's all said and done, action surely takes the place. Time to heal and time to see, time to feel and time to breathe. Cause I know definitely I will surely rise now. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la fin de cette vidéo sur la corniche d'Abidjan. C'était pour vous montrer, même en saison des pluies, que la corniche d'Abidjan résiste aux pluies diluviennes. Pas comme avant, parce qu'avant, il y avait, lorsqu'il pleuvait un peu, il y avait des flaques d'eau qui stagnaient. Voilà. Autant pour moi décrocher le mot. Mais maintenant, c'est pas le cas. Il y a des caniveaux un peu partout. Il y a des canalisations un peu partout, ici à la corniche. Vous montrer que l'eau ne veut pas rester, même s'il y a une pluie diluvienne, même s'il y a la déluge. La pluie ne va pas, l'eau ne va pas rester, tout sera écoulé dans la lagune ébouillée. Voilà, donc vous avez pu voir à travers les images qu'il n'y a aucune flaque d'eau ici. Merci pour votre attention et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo pour agrandir la communauté. I am Mr. B. The number one of blogger in Ivory Coast. Peace out.